Salut les mecs, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Lucas, il va nous présenter sa magnifique bécane. Bécane de compétition là. Donc les mecs, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à suivre Lucas sur Insta. Donc son Lucas c'est... Sur Lucas Sur Insta. Son Insta c'est, vas-y, Bobo Stunt. Et son Snap c'est Bobandax. Voilà, parfait, pour des petites vidéos et tout, il vous fait ça. Des quoi? Donc les mecs, je vais laisser Lucas vous présenter sa petite bécane. Déjà ce que je sais dessus c'est que ça fait des bavettes. Et que tous ceux qui l'ont insulté, vous êtes des gros fils de... Donc vas-y Lucas, présente-nous ta magnifique monture. Donc là on est sur un stunt, elle est sur un stunt de 2012 MBK avec Léo fourche nitro avec étrier nitro. Et je vous vois déjà venir dans les commentaires, c'est pas une fourche préparée 200 kg je ne sais quoi. Ah ouais, parce que attends. Ouais, ça, c'est vrai. C'est fourche d'origine nitro, elle a pas été touchée, y'a rien eu dessus. Pas neuf. On a un Poyazuni, je crois c'est le Z. Donc j'ai le colis qui arrive dans la semaine avec le gros sticker Siazuni. Bah tu sais, il y a des poignées Most. Elles sont toutes neuves mais elles sont déjà abîmées. Hein. Bon. Et ils ont même pas un mois je crois. Je pense que Lucas se nourrit de poignées pour ceux qui n'avaient pas compris. Il bouffe des poignées et il suce de l'essence. C'est juste c'est trop chiant pour le grand tank, du coup t'es obligé de te mettre loin pour voir tout, c'est chiant. Tu vas dire voilà. Donc, poste de pilotage origine, en réglementation, compteur, poignée, barre de renforcement, parce que il y a du poids à l'avant. File-moi les clés de l'engin. Attends. Il y a des marques. Les clés de la Lamborghini. Ah, d'accord, pardon. Les gars, regardez, file-moi ça, Marie. Porsche Stunt Turbo RS. Ça démarre au quart. Guirlande de Noël. Et voilà. Donc, il a 349 000 km. Non, il doit avoir 34 000. 34 000 pour un scoot, c'est énorme. Non, non, le piston, bah, on en vient après. On va en venir après. Juste écoutez le bruit du pot. Le scoot, il fait marche arrière. Donc voilà au niveau du son. Ouais. À combien ça monte tout ça? Moi personnellement j'ai pris 85. Arrêtez les gars. Alors tout dépend du poids du pilote. Ouais, voilà, c'est vrai. Un poids du pilote du style Léonade prend 100. Hier, 100 facile. 100 facile. Voilà. Bah, j'ai un pote alors, il est monté 90. Moi je prends 85. Et présente-nous pourquoi il est plus d'origine? Qu'est-ce que t'as mis dessus? Dessus il y a un 50 Malo 6 fonte, bougie NGR Racing, bon ça on s'en branle un peu, lamelle de clap Evoca Carbone, Variostage 6 Sport Pro, joue fixe d'origine, courroie Doppler qui va arriver, embrayage clutch Malo 6, je suis un gros ressort noir Stage 6 Medium et petit ressort rouge, et puis je suis en carbu 17.5 avec cornet Polini. Bravo. Il a appris ça le son, Lucas, il connaît tout par cœur. Le moteur sur un scooter, pour ceux qui savent pas, c'est bien ça le moteur. Oui. Ah ouais, ça, voilà, non, ça c'est le filtre à air. Ça c'est le moteur. Ça. Alors, je vais faire une présentation. Amortisseur. T'as dit c'était un gros amortisseur. Ah bah ouais, pour la bête. Ouais. Filtre à air. Carburateur. Ouais. Moteur. Non. Ça c'est au niveau de l'éjaculateur. T'as une vis qui est en train de se tailler là. Ouais, mais non, en fait, si tu veux, genre. C'est quoi ça? Ça? Bah c'est le carter de boîte à kick. Voilà. Voilà. Exactement, bien joué. Donc c'est là que ça démarre. Il est où le moteur alors? Il est là, le cylindre est juste là. Il est derrière. Sur le train. Ah, il y a la cache où ça? Donc ça c'est une bougie BR. Et là, viens voir, Et là nous avons le petit. Tu kiffes. Donc le sponsor kiffes, de cette vidéo. Non, le sponsor, il y en a tellement dessus qu'on les compte même pas. Voilà, donc moins 50 sur les vidéos exclusives VIP avec Lucas 50. Attendez, on va essayer de le trouver moi-même. Non, c'est sur le côté. Non, c'est de l'autre côté. J'avais le doigt dedans. Bon, il n'y a qu'une clé mais ça rentre pas. Ah, voilà. Y a un grand... Alors, pour ceux qui s'attendent à trouver du McDo dedans, il n'y en a pas, Lucas est au régime. Ouais. Donc dedans, on met quoi? Du 98, sinon 95. Du ou sinon de la piste. même de l'éthanol, ça passe. Ouais. Là, on met de l'huile, tu mets de l'huile combien du coup? Moi maintenant, je vais mettre de la okay, moi, je mets de la barbecue. Il se croit au kebab. Ouais, tu veux le mélange? Bientôt. Là, je vais encore.
Moi, je suis quoi ce truc de ouf? J'ai déchiré son slip. Bah, je reste en 17,5 pour la consommation quand même parce que. Ça consomme que... Tu fais combien de litres avec un plein? À vrai dire, ça veut rien dire. D'après mes calculs, à peu près 100 km, même pas. Voilà. Le casque aussi? Attends. Bon, le casque. Mais la capuche. Jacques, bon, attendez. Faut freiner. Vas-y, descends. Il y a même pas le doigt sur le frein, gros. Mais t'inquiète, ouais, il gère. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à Lucas? Qu'est-ce que tu lui conseilles de changer? Alors moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Un petit kit 70, c'est carré dans l'axe. Voilà. C'est carré dans l'axe. Les autres, qui enlève tous ces stickers déjà. Voilà. qui vote pour les stickers de Lucas? Moi, les enlever. Franchement, on peut dire que je kiffe. Ouais. Bon, on est d'accord, c'est horrible. C'est horrible, c'est dégueulasse. Mais c'est ce qui fait le style. Ouais. Stick que Marius ne veut pas. Regardez-le galérer. Oh, elle est où la putain de poignée? T'es mort là. J'ai trop de mal. La poignée, elle est en dessous, gros. Il est sur béquille, allons-y, reprenons. C'était sa jeune cartouche KRM. Bah, très clairement, je vais me commander ça pour mon Noël. Donc, cartouche KRM sur Pau Scooter, personne ne l'a fait en France. Et, ouais, je sais que ça sert à rien, mais bon, voilà. Jante en 12 pouces. Jante 12 pouces roquette, enfin roquette stunt. Oh, pardon. Il a changé même le petit bouchon. C'est tuning. Hein. À l'arrière, il y en a un violet. Il faut tout spécifier. Il y en a aucun pareil. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est un peu tuning. Donc, au final, mon très cher Lucas, ouais. À combien t'as revenu ce petit scooter? Bah moi, je l'ai acheté. Mettons-nous face au soleil. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je l'ai acheté 1100 euros. D'accord. En gros, il m'est revenu à 1100 euros, mais pas avec toute la config. Pigeon. 600 euros de trucs dedans. Plus... ouais, voilà, film à nous. Je préciser un truc. Ouais. Que ta fourche, ça passe à 41 mm de... Ah, oui, oui. Venez voir. Voilà, si jamais ça bouge, il faut le visser. Oui, en fait... Regardez, il a mis une petite vis. Donc fait, c'est si les petites astuces. Tu peux taper dessus. Ah merde. Ah bah, ça marche pas trop en fait. Attendez, la vis est où? Laisse-moi avoir rangé ça, mec. Symphonie. Reprenons. Ouais. C'est un scooter qui est revenu à Lucas pour, allez, on arrondit 2000 euros. Non, ouais, 2000 euros. 1008. 1008, toi, c'est 1006, pareil. 1007. 1005. D'origine. Oh, Vogel. C'est quoi comme scooter d'origine? Un stunt. Un stunt. De 2000. 12. 2012. Ah, il est vieux. Je suis le deuxième propriétaire d'ailleurs. En assurance, tu payes combien? Cher. Je dois payer 16 euros. 16 balles d'assurance. Je paye 16 euros. En c'est conclusion vrai. De cette vidéo, je vous montrerai la petite bavette de Lucas. Et vous pouvez aller retrouver toutes les petites vidéos de Lucas sur TikTok. Parce que ouais, c'est devenu une star de TikTok. Et voilà. Lucas, si t'as un mot adressé à la très chère communauté, bah, très qui t'a traité de kebab roulant. Alors très clairement, je vais vous dire quelque chose. Ah, c'est trop drôle. Ah oui, il y a même pas de rétro. Oh, t'es beau avec ça. Ça watt, hein. Il y a même un compteur et tout. Ah ouais, j'avais oublié qu'en scoot on pouvait tourner facilement.
C'est ma Harley ça. On va faire top speed. Oh, oh, je reçois de l'eau. Allez, 80. Allez, 80, 82, 83. Propre. Non, en vrai, il est chez son scout, mais j'aime bien. C'est Lucas, c'est le scout de Lucas, les mecs. De toute façon, vous le connaissez, c'est une rockstar ce mec. C'est que. Il est tout le temps en train de taffer sur son scout. Du coup, c'est tout le temps en train d'évoluer, d'évoluer. C'est tout ça qui est bien. Regardez, on va lever. Hop, petit coup de cul, ça lève. Non, c'est drôle. Tu m'étonnes qu'il va à l'école avec ça, c'est drôle. Bon, y a du monde aujourd'hui, hein, comme vous le voyez. Il y a de la population. Ça what? Eh, c'est trop bien, ça, c'est pépère pour aller à l'école. Ah ouais, t'as vu? Elle mangeait là, elle est carrément déposée par terre. Mec, ouf, je peux faire la balle de quelqu'un là. Elle était à 100. Mec, elle est cassée là, gros. Il a pété la balle. Il a pété la balle. Carrément, elle a pété la balle. Merci, mec. Wow. Tu fêtes ça quand? Ah, je fête ça ce soir, gros. Grosse soirée là, grosse soirée. Ouais, Lucas, j'ai pas filmé. Non, je rigole, en vrai de vrai, j'en ai un peu rien à faire, ouais. C'est moi cool. des critiques, j'en ai eu pendant des années. Et à vrai dire, c'est ça qui m'a fait monter le plus. Donc, à part, il est vieux maintenant. 50 ans, le reste est traité. Très clairement, les critiques, je passe au-dessus, puis j'en ai très clairement rien à foutre. On peut dire qu'il leur roule dessus. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans un jour. Salut. À 18h34. Bien joué, dis-leur. Voilà, salut. Hey, d'ailleurs, attends, j'ai un truc à dire. Il est...